Bonsoir, éternel bonsoir Pyro, ce stream n'a failli pas avoir lieu. On était à deux de la catastrophe, j'avais plus internet, hein. Je suis rentré chez moi, il n'y avait plus internet. Orange qui fait les travaux, si jamais ça saute, bah, vous savez d'où ça venait. Vous savez d'où ça viendra, du coup. Bonsoir éternel. Non mais là Orange qui décide hein, de faire des travaux et comme d'habitude ils préviennent pas donc voilà. Si jamais ça saute du coup vous savez que vous savez. Hein. Enfin je sais que vous savez que je sais que vous savez. Ok. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en grande forme même si je me suis bien reposé cet après-midi avec Hello Kitty. On a bien installé la démocratie. Vous savez, cet après-midi, je devais me reposer. Je vous avais dit, ouais, je vais me foutre sur mon canapé, je vais regarder la nouvelle série Ronin. Eh ben non. Eh ben non. Pas de Ronin, parce que du coup, je me suis fait attraper par Hello Kitty, ou du moins, c'est moi qui l'ai attrapé. Et on a joué à Helldiver une bonne partie de la journée. Bonsoir, Nounours. Tenez, je vous sers à tous quelques boissons fraîches. Faites-vous plaisir, il y a du café aussi, pour ceux qui veulent. Il y a Des qui se balade au milieu, c'est pas grave. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle run sur Elden Ring, Randomizer, No Death. Personne n'a attrapé personne et tout a été fait avec consentement. Ça c'est ce qui sera dit dans les journaux. Bonne bière pour moi, tiens, voilà, cadeau, t'en veux, t'en as. Très heureux de vous retrouver. En tout cas, pour ce stream d'aujourd'hui, je suis en bien meilleure forme qu'hier. Et c'est cool. Il y a joué Pierrot qui a 10 séries de visionnage. Série de 10 visionnages. Bravo. Bravo, le veau. Qui c'est qu'on prend en premier? Eh bien, vous savez quoi? D'habitude, on prend toujours Hello. Eh bien, tiens, je prends Pierrot en premier dans le vocal. Bonsoir, Pierrot. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu, Pierrot? Ça va très bien. Ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse Hello Kitty dans son coin ou on le prend avec nous? On le prend avec nous, quand même. Ok, allez, je l'amène, je l'amène. Bonsoir, Hello. Voilà. Bravo, Nounours. Trois visionnages, incroyable. Comment vas-tu, Hello? Ça va toujours très bien, merci. Toujours, mais c'est la première fois que nous nous voyons aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai. Mais c'est la sieste démocratique qu'on a fait, ça m'a fait imaginer les choses. Clin d'œil. Les mecs, ils sont toujours fourrés ensemble maintenant, c'est incroyable. Merci pour ton lore, Nounours. Bon, du coup, vous êtes prêts pour une nouvelle run? Et franchement, je tiens à vous dire que cette run-là, je la sens de ouf. Je sens que ça va être une run de malade. Bah moi, je la sens pas du tout parce que justement, je vais jouer un truc ah oui, c'est qui est pas forcément OP. Mais ah oui, c'est vrai que t'avais dit que t'allais faire ce que t'allais faire, ce que je sais que tu allais faire. Voilà. Nous sachons. Pyrou ne sait pas lui par contre. Hein. Non. Eh bien. Voilà, on me dit jamais rien, moi. Je suis jamais au courant, mais c'est toujours les autres avant moi. Voilà. Là, je vais essayer de jouer un des builds que j'aime bien, qui est double épée et longue. Le donc s'il y a une des classes de départ qui a une épée et longue pour comme arme de départ, je vais certainement partir dessus. Si ce n'est pas le cas, je vous rejoins sur le choix du public. D'ailleurs, le choix du public, parlons-en. Qui c'est qu'on va faire voter aujourd'hui? D'ailleurs, je n'ai pas lancé la nouvelle seed. Qui c'est qu'on fait voter? Tiens, Hello, c'est qui qu'on fait voter aujourd'hui? C'est toi qui choisis qui vote. C'est moi qui choisis qui vote? Ouais, c'est toi qui choisis. Ça marche. Ce sera donc Hello Kitty 37 qui va voter. Alors, Hello Kitty, qu'as-tu donc choisi pour cette raid? La numéro 10! Non, je plaisante. La 7! Ce sera le premier qui dit bulle dans le chat. Alors, le premier qui dit bulle dans le chat aura le droit de voter pour. De choisir le numéro gagnant pour la prochaine seed. Il n'y a personne qui va dire à bulle. On va être tout seul comme des cons. Exactement. Non, Eternal, c'est pas ça. Il faut mettre bulle. B-U-L-L-E. Bulle. Je répète. B-O-U-L-E.
Bulle. Ça, c'est pour j'ai acide. Ben voilà. Non, non, elle a une faute, elle a mis des points. Elle a mis deux majuscules. En plus, elle a mis deux majuscules, mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, éternel, un chiffre entre 1 et 10, que choisis-tu? J'ai mis l'identifiant d'acide. Parfait. Voilà, voilà, voilà. On s'en fait. On sait trop. Non, mais, on raconte. Non mais Hello, c'est... vas-y raconte Hello parce que. Faut que je vous raconte un truc. Je me suis fait une petite run d'entraînement cet après-midi avec une nouvelle seed aussi. J'ai réussi à vaincre le tout premier boss. Ouais. Avant de mourir une première fois et j'ai obtenu un item et grâce à cet item. J'ai réussi à lock complètement la run. Comment ça ? Comment ça ? Le premier boss m'a donné l'objet qui te permet de te téléporter dans la zone de Mog. Ah. Oui. Et donc, je l'ai utilisé avant même de sortir du tutoriel. Ah merde ! Directement à Mog. Ah, mais je l'ai fait consciemment, sachant que ça pouvait faire bugger ma run. Hein. Merde. Et effectivement, je suis arrivé à la première grâce que j'ai débloquée, je suis mort derrière et je suis retourné à cette grâce et je n'en ai pas d'autre. Et donc j'étais, par définition, bloqué dans la zone de Mog et il n'y a pas moyen d'en sortir. Ouais, y a plus... Oh bordel! Attends, je crois... que Eternal ne pouvait pas mieux choisir. Ah bon ? Il y a le croc du limier. C'est nul ! Oh putain ! Ah oui ! Il t'a coqué ! Il y a moule ! Ah non. Alors là, je vais regarder les autres classes et j'espère qu'il n'y a pas d'épée longue. Juste pour déconner, qu'est-ce qu'on avait le choix ? Oh, il y a l'épée longue, j'ai envie de crever. C'est quel homme ? Ah, c'est con, hein, hein. C'est con, hein. Bon, bah, c'est parti, quoi. Du coup, tu fais l'épée longue, tu dis non au creux du limier. Bah, ouais, c'est vrai, quoi, super. C'est quoi qu'il y avait chez les autres, du coup? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, oh, l'info, aussi. Parce qu'on a, oh ouais, y avait... qu'on a dans les... C'est pas bien, c'est oufissime, Eternal. C'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure arme du jeu. C'est, par contre, c'est... En termes de d'items de départ, là, les legs, pas dingue. Oh la dingues. Augmente la foi. Oh putain, le croc du limier. C'est vite, on n'a pas besoin de choisir de trouver d'autres armes en fait, hein, du coup. Hein. T'as pas besoin de trouver une autre arme, c'est bon. Désolé, Hello, non mais c'est lui qui a choisi Eternal, c'est pas toi, c'est ah sa oui, faute non, c'est moi qui m'inflige ça, hein, t'inquiète, hein, c'est... je peux tout à fait... J'ai pas encore validé mon perso, hein, je pourrais changer. Hein. Ah tiens, j'ai changé, c'est... Okay, non, je me suis fait le croc du limier. Non, non, je commit. Pour peut-être qu'on trouve... Pour avoir fait un essai avant aussi, justement, c'est pour ça, c'est... Les épées longues, ça se trouve pas comme ça. Et du coup, vous prenez quoi comme leg, les gars? J'ai pris la racine de mort, ou je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pris la mortefleur, ouais. La mortefleur, voilà. Ah ouais. Ouais, comme il donne un item. Vous avez pas pris la rune 8. Des... Ouais. La rune 8 me tente pas. Le talisman qui augmente la foi, j'en vois pas trop l'intérêt. Il y a peu de chances qu'on joue foi, alors. Ouais. Après, les crevettes bouillies, c'est x10, ça. Ouais, mais bon. Les crevettes, quoi. C'est... les grosses crevettes. Il est même pas là, en plus. Réduit les dégâts subis en cas de coup critique. Ouais. Ouais, il est vendu pour la mortefleur. Incroyable.
Putain, c'est le des 10, c'est le meilleur, celui-là. C'est con. Pas trop hein. De doute. Ah ouais, j'ai regardé les autres. Imaginez si on n'avait pas pu prendre ça. On avait dû jouer notre arme comme Hello Kitty. on a ah, encore quoi, l'ami de Roger. Hein. Ah, bon bah, je sais déjà au moins que. Ah, c'est. Non, ok. Ce sera Eterna Nounours que nous allons jouer. Ah oui, d'accord. Oh, incroyable. Hein. Oh, du coup, je suis. C'est tellement ouf. Non, il faut. On va quand même la jouer, mais. Le mec se sent plus, quoi. Pour une fois, il y aura pas. C'est vrai que tu n'auras pas ton débat, ton habituel débat interne de 20 ans pendant sur quelle arme j'utilisais. Ouais, mais voilà. Oh, j'ai déjà joué Crew du Limit dans une run en plus. Ça, c'est une première. Force à jouer l'arme. Hein. C'est, non, mais je veux dire, c'est une arme qui est forte quand même. Ah bah oui. Plus on a quoi. C'est les speedrunners, c'est ce qu'ils utilisent. Hein. Ah bah ouais. Homme de soldat parenté aviaire. Habit de Roger. Et gantelet de Blade. Et jambière de Roseau. Ils sont partout celles-là. Et on a un petit arc. Mais c'est fou, tout le monde choisit la 7. On en revient vraiment. Avec Elon, on se disait cet après-midi que les gens, ils choisissaient tout le temps le numéro 7. C'est ouf. Bien la réflexion plutôt, oui. Alors c'est qui le boss du départ? Alors je vous rappelle qu'on a le droit de mourir sur lui. Encore faudrait-il qu'il soit là. Oh putain! Ouais, vu que pendant longtemps il reste invisible, j'étais en mode bon c'est l'assassin quoi, super. Oh, il y a une patate. Bonjour les nerds. Moi je spoil pas les noms des. Salut Bounty! J'ai glissé comme une merde. Salut Bounty! T'arrives juste pile poil en début de run. Eternel nous a trouvé un petit personnage avec le Crew du Limier. La run est déjà bonne. La run est déjà valide. Sauf si on tombe sur un truc encore plus ouf, mais. Oui, mais vous, du coup, vous avez déjà une arme saignement en plus. Alors, pour info, Pyro, le croc du limier. Ah oui, en plus, il fait saignement. Le croc du limier, tu fais l'attaque sautée en arrière, tu fais ta gâchette gauche, puis ensuite, tu fais ton attaque lourde. En fait, ça va le. Ah oui. Voilà. D'accord. Maintenant, tu sais pourquoi le croc du limier est fort. Je vais être amoureux du limier, c'est ça. Et sache que c'est la meilleure arme avec laquelle on peut affronter Maenia. Parce que le temps où on est téléporté, en fait, où on disparaît, on est invincible. Donc du coup, Maenia peut pas nous déglinguer avec sa grosse attaque. Vois-tu? Je vois. Maenia est pas méga fan de tout ce qui est saignement. Oh alors l'arme, elle en ah, met mais une bonne il a dose. Une arme que j'aurais tellement voulu jouer. Je précise à ceux qui sont en train d'arriver sur le stream risque peut-être de couper, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que du coup il y a des travaux chez moi, et ok, Godric il se balade dans la pampa, et du coup, le stream a failli ne pas avoir lieu parce que Orange a décidé de faire des travaux. Et je viens juste de retrouver Internet, donc si jamais ça coupe, c'est normal. Bon, on va passer loin de lui. Ah bon? Godric, il te tente par là, comme ça? Non. Bizarrement, non. Et toi? Je suis surpris. Non, mais je te jure. Hein. Je préfère le laisser en vie. Il est bien, là. Il est sorti de son château, il se promène dehors. Il est tranquille. Pourquoi il faut qu'il sorte de son château? C'est vrai que... Il est connu pour pas beaucoup faire ça. Ouais.
Bon, en plus, c'est, franchement, c'est une run qui démarre bien. J'ai même pris la grâce de... Ah. J'y ai pensé. Non, mais j'ai dormi, hein, contrairement à hier. Oh, la lettre de Rogier, génial. Ah, je viens de faire un move que j'avais oublié que ça existait, quoi. Qu'est-ce qu'il vend, l'autre? Une serre de fabrication, le marteau de Crien. Les pierres de forge sombre, une, c'est bien. Bah, j'aurais pas trouvé le... On n'aurait pas eu le croc de limier. Je serais parti sur le réprovicide. Eh ben, moi aussi. Donc, ouais, putain, c'est vrai. Bah, Hello, t'as une arme de... Ouais, je l'ai vu. De saignement, ouais, du coup. C'est certainement... quelle arme de force. Je vais certainement partir dessus. Tyrann Godric cherche des bras pour elle aider enfin, je vais un coup de main. La prendre pour avoir une arme saignement, pardon. Voilà. Tout à fait, Bounty. Attends, mais sur toutes les armes que je voulais, sur lesquelles je voulais tomber dans cette run. Non, mais c'est une run qui démarre au quart de tour là, c'est. Enfin, certains plus que d'autres, mais. C'est... Oh la moule quoi, le gros du limier. Pour la toute première. Putain. Non mais ça c'est éternel, c'est éternel qui nous apporte la chance. Tiens le crabe. T'es mal à la taille du crabe. Ok, un petit cristallin putréfié qui se balade dans les ruines du départ. Ouais, peut-être pas que ça. On va peut-être pas y aller, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un serpent. Là, je vois pas. Juste en haut des escaliers. Oh, intéressant, ça drop des pierres de forge 4. Ça. Qu'est-ce qu'il a, drop des pièges de forge C'est le mob devant le chariot, devant les chariots dans le premier camp. Ok. Moi je suis à deux doigts de partir directement aller choper le dragon pour mettre de la vigueur. Ah ouais, mais on peut peut-être choper... On peut peut-être choper des pâtes dorées. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de chercher en premier. Doum, tadam. Oh, abusé le gros du limier, quoi. Je suis content comme ça, je vais pouvoir la tester là. C'est quoi cette merde? Oh, il y a une écrevisse, ouais, qui se balade pas loin. Ah mais en plus c'est celui qui met la pute. Qui met la pute avec les gars. Ah ouais, j'aurais pu perdre. Et puis t'inquiète, t'inquiète. Ça suffit. On va juste regarder ce qu'il y a dans ce petit coffre et après on va commencer à faire notre petite balade. Oh, une rune dorée 8. C'est cadeau. Va voir Bok. Putain, je crois que je suis pas allé le voir Bok sur la run précédente. Maintenant que tu le dis. Ah, le personnage il donnait pas grand chose. Ah, le mec il va pas voir Bok, quoi. Tu le gâtes, ouais, mais vous, vous êtes comme ça, mais moi j'ai les jambières de Malenia, quoi. C'est... Voilà, incroyable, quoi. Là. J'avoue qu'on peut pas lutter. Hein. Mais quel homme. Bon, attention au vide. Oh, l'arme cristal noueuse de force, c'est fou, ça se mélange bien pour le avec le croc de limier, ça. L'arme de force, le croc de limier? Non, mais mais quand même. Oh putain de merde. Faut pas encore mourir, hein. C'est un peu tôt. Hein. Allons, là, ça serait vraiment très con, là. Il faut être green, mais pas tellement. Ah non, mais c'est moi, je vais me reposer à une grâce et j'ai un squelette qui me tombe sur la tronche. Je suis à un moment délicat où... Je suis au premier cimetière et j'essaie d'examiner ce qu'il y a. Je l'avais jamais vu. Jarre de compagnie. Augmente la puissance des pots à lancer. Mort de rire. Ah super, ça fait pas les quêtes des PNJ, quoi. Bravo. Ça triche. Incroyable, hein. Oh, ça c'est pas mal.
Les pantalons de noble, génial. J'ai toujours rêvé. Ah, t'es refait là. Hein. Ah, je suis trop bien. Oh, la bulle de pot à lancer, imagine, Nougat. Bienvenue dans mon dos. Bonsoir, Nougat. Bonsoir, I am Carl, 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup pour ton follow. Attention, falaise. Oh non, le jeu... Ah non, c'est bon, le jeu n'a pas crash. J'ai l'habitude. Hein. Qu'avons-nous là? Du coton doux. Ah, ne pas confondre avec pot à balancer. Ah. J'ai eu deux annonces comme quoi tu jouais à Elden Ring. Ouais, moi aussi. Ah non. Ah non. Ah si, si, si. Non, tout va bien. Le stream est toujours là. Vous êtes toujours là, hein, Titi. Dites-moi que oui. Oui, ils sont là. Ah, mais c'est vraiment un boss lambda. Un boss lambda, c'est pas un boss. Super. On est sur un meuble lambda effrayant. Un peu gigantesque. Il a dû tomber sur un avatar à la con, là. Oh, ça, médaillon d'arbre pourpre, plus de deux. Ouais, je l'ai chopé direct équipé, hein, à la place de l'autre. Hein. Après, ça rajoute pas tellement de points de vie, ça. Oh, les runes tombées qui tombent. Les runes dorées qui tombent aussi, là, ça fait plaisir. Oh, on est sur une run de ouf. T'as eu l'air pas besoin de chasser les piafs. Non, rien chasser les piafs. Il donne rien d'intéressant. Mais c'est quoi ce cimetière de ouf avec toutes ces runes, hein? Le premier cimetière où on va là, mais il est vraiment goldé. Hein. Il est pas mal. L'armure d'écaille, ok. Oui, c'est équipé. Bon, j'ai juste l'armure en écaille d'équipée, moi, mais. J'ai dû enlever tous mes autres équipements, mais c'est pas grave. Oh, je suis. Comme d'habitude, je suis très très heureux d'avoir libéré Alexander de son trou. Hein. Comme d'habitude, il donne un truc, mais alors. Dingue. Qu'est-ce qu'il vend, l'autre bureau, là? Des pierres de forge sombre 5. 7200 balles, hein. 3 pierres de forge 6. Oh. Ça aussi, ça fait du... Bon, bah nickel, j'aurais pas besoin d'acheter une arme. Moi, je vais directement dépenser toutes mes runes. Comment vas-tu, Nougat? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Pitié, ne me coupez pas Internet. Hein. Pitié Orange. Ne me coupez pas Internet, pas maintenant. Pas maintenant qu'on est sur une bonne run, que je suis réveillé et tout, et que tout va bien. Orange, je ne vous donne pas grand chose, parce que de toute façon, généralement, vous ne donnez pas grand chose. Mais là. C'est Wonder, je l'aurais tué direct. Ouais, mais je pense pas qu'il nous la donne, hein, son arme. Au KLM, je sèche Core Keeper en ce moment, qu'est-ce que c'est? Core Keeper, c'est un... Comment expliquer ça? C'est un peu Terraria, mais... comment dire? Non. C'est Terraria, mais en 2D, mais pas... comment dire? Vertical, mais horizontal. Mm-hmm. D'accord. Je vois. C'est notamment c'est très très sympa à plusieurs. Survival Craft dans une caverne, mais vu de dessus. Oui, c'est aussi une autre manière de décrire ça, qui est pas mal. Non, c'est haut. Ne saute pas, tavernier, c'est trop haut. J'ai failli. Ah, mais putain, j'oublie Arc Runique, j'ai utilisé.
Moi, ce week-end, j'ai pensé à Eliver, je suis niveau 25. Déjà? Putain, mais... Bounty. J'ai trouvé une autre épée longue, je peux jouer. Mon problème, c'est que c'est pas celle que je voulais. elle demande une stat que je n'ai pas actuellement. Moi, j'ai un peu joué cet après-midi, du coup, Bounty, et j'ai débloqué le mortier. Meilleure arme du jeu. Trop sympa, Alexander. T'as vu, hein? Putain, mais c'est fou comment tu vas plus vite que moi, Elo, à chaque fois. Ouais, hein. Ah, j'ai lancé un tout petit peu plus tôt que vous aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il triche. Mais arrêtez de mettre les verres dégueulasses, là, à chaque fois. Ah mais aussi je suis lourd parce que je porte cette merde. Oh. Ah j'aime bien faire quelque chose aujourd'hui. C'est à rajouter le mode cocktail. Pour voir les boss que j'ai fait. Ah bah bravo. J'ai la frappe avion nuque, j'aime libérer de l'espace et creuser en profondeur. Travailleur du BTP, ça j'en connais hein. Oh, ah oui, le gourdet hérissé, ça c'est une arme de saignement, encore une fois. Justement, ça sera parfait pour moi. Même pas besoin que t'achètes l'autre arme, du coup. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il vend, l'autre abruti, là? Oh, des pierres de forge 1, des pierres de forge... on est d'accord que le croc du limier, c'est des pierres de forge sombre. Hein. Sauf erreur, oui. De toute façon, j'ai sa perle cinéraire, donc au pire, je pourrais les acheter plus tard. Alors attention de ne pas faire comme Elo, de pas sauter d'un cimetière à un autre. Mec, c'est bon, maintenant j'ai train hein, ce passage. Hein, Ah, t'es bon? T'es bon dessus? Ouais, c'est bon. Compris, hein, le tout premier saut sans élan, deuxième tu te places, et après c'est tout facile. Allez, le jeu il a planté. Tu vois, ça c'est parce que t'as pas fait le saut. Je serais pas loin derrière. Normalement, c'est autour de Pierrot et après ce sera Elo. Oui. C'est l'ordre des choses, oui. Dans les eaux. Non, mais Eliver, c'est cool. Mais je pense qu'on en fera peut-être en live là bientôt aussi. Je envoie le message, il faut faire des sauts. Non. Alors avec le croc du limier, je ne fais aucun saut. Je joue comme si je jouais à un autre Souls. Il n'y a pas de saut. Et ce n'est pas Sekiro. Attends, sacré flow. Ah, mais je pourrais. Je viens de me dire, je pourrais jouer intelligence en fait avec l'arme que j'ai eue. Bien changé. Sauf que j'ai commencé avec la classe avec le moins d'intelligence, c'est ça? Ah non! Ça va. What the pire? Et du coup, Pierrot, toi, t'as fait comment? Du coup, t'as joué. Tu joues croc du limier, du coup? Ouais, ou peut-être que réprovisite, je ferais, mais. Je suis pas décidé encore. Ce sera l'une des deux, c'est sûr. Tellement fort. Hein. Gourdin hérissé, j'aurais voulu le tester, on a le drop. Réprophétie, je voulais le tester, on l'a trouvé. Produit l'ennemi, on l'a. Au secours. Il y a tellement d'armes, je sais pas combien il y a d'armes précisément sur Elden Ring, mais. Oula, beaucoup. Il y en a beaucoup, en tout cas. Il y en a même qu'on peut même pas drop sur qu'on peut pas acheter ou trouver par terre, il faut les drop sur des mobs. Oui. Leur taux est très 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 bas. Ah, c'est ce cimetière-là que vous parlez à chaque fois, peut-être. Oui, celui sur le bord de la falaise. Il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier cimetière? Putain, j'ai failli tomber, moi. Oh, l'éclair de Grand Saxe, quoi. Non, mais. Après, c'est 42 dex. C'est quand même beaucoup. Ah oui. Ah, mais c'est ouais, elle est incroyable. Enfin, la capacité de l'arme est super forte. Épée dorée de troll.
Je suis au même cimetière que t'as. Donc, j'ai dû rater un cimetière quelque part. Oh, les runes dorées qui tombent et qui tombent. Salut Wolf, bonsoir. Parlez pas trop de drop d'armes de Bob. Je suis en forme de toutes les armes depuis plusieurs heures. J'ai envie de m'arracher les burnes. Épée de chevalier de Caria. Mais c'est putain, ouais, mais. On tombe sur toutes les bonnes armes. Non, mais c'est abusé. Hein. On a 1 milliard d'armes là. Ben, c'est bien. Mais moi, je me souviens de toutes ces runs où on a galéré avec des petits couteaux là. J'ai envie de crier au scandale, moi. Votre première run avec. Ouais, avec le couteau de cuisine là. Voilà. Au couteau! J'ai pas vu que tu augmentes mon ESO. 1% de drop sur les drops d'armes, j'en ai marre. Toi aussi. Mais pourquoi tu augmentes pas ton ESO du coup? Ouais, tu devrais respect et monter à fond ton ésotérisme. Ah ouais? Tu joues le trident de Mog en attendant et puis voilà. Et mettre le masque. Y a un gros masque qui te manque pas mal ton ésotérisme. Je sais plus c'est quoi. Là. Et puis aussi le médaillon du scarabée d'argent. Mais bon, ça je pense que tu sais. Oh, j'aurais bien joué l'éclair de Grand Saxe, mais c'est quand même 42 dex. Hein. Ah, pas peut-être vers la toute fin, peut-être. Bah, de toute façon, là, le produit. Voilà quoi. Oui, non, autant la lance est très très forte, hein, mais je pense que. Croix du limier. Croix du limier est mieux. Hein. Parce que les os augmentent quasi rien, au final tu passes de 1% à 1,99 et j'ai oublié d'aller récupérer le scarabée d'argent dans mon game de base. Je suis un UI plus, bien avant d'avoir. Ouais. C'est même t'embêter. Après, il y a d'autres objets qui augmentent dans dos de drop, me semble-t-il. Bon Wolf, de 20, j'ai une question à te poser, on va mourir de quoi aujourd'hui? La patte d'argent. Pas quoi aujourd'hui. Moi je pense qu'il va dire vous allez pas mourir aujourd'hui. On peut pas les craft les pattes dorées? Bah faut le manuel de craft pour, mais oui. Alors deuxième cimetière, pierre de forge sombre 9, c'est bien qu'on commence à récupérer. Un gros doigt, ok, avec des runes encore, clé lampière, non mais c'est cimetière de malade. Non mais ils sont trop bien les cimetières. Oh l'armure de Radan. Ok. Bon ben armure de Radan. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment. Le jeu est en train de me servir la run sur un plateau d'argent. Est-ce que ça serait mal avisé de notre part de refuser quand même les gars? Wolf, il nous dit pas comment on va mourir. Moi, je pense qu'on va pas mourir. C'est la run. Hein. C'est celle-là. Elle empêche, chez nous, je suis arrivé en te disant... La run, ça va le faire. Hein. Je l'ai dit. C'est hein. Vrai que t'as dit, j'ai un bon feeling. Chute en Sophia face à un mob qui remplacera le gardien du creuset. Oh, mais putain... Ah, ça veut dire qu'on va loin. Ça veut dire qu'on va loin. Si on va jusqu'à la Sophie. Mais putain, non, 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 putain, j'ai pas le faire, putain de bouc. Ah, un bouc, ouais, ça ah, d'ailleurs, les boucs ils donnent des runes dorées level 5. Ah, je vais maintenant tuer tous les boucs que je vois. Moi, je l'ai tué déjà avant ça. C'est parti pour un génocide. Mais j'étais en train de parler à l'autre con là de Kenneth et j'étais pas loin du vide. Il y a un bout qui m'a mis un coup de cul. Et on aura dit au revoir. Je l'ai dit comme une accusation de Cluedo. Genre, c'est à dire que t'y crois pas. Moi je vous propose qu'on aille pas à la Sophia, la Sophra de toute la run. En vrai, la Sophra tu peux aller très tôt si tu veux. Juste faut des burnes. Allez, non, il commence à. Tais-toi. Tais-toi, Wolf. La 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 la, je n'entends pas. Comment faut y aller très tôt. Il a dit si on a des burnes, on va à la Sophra très tôt. Mais bon. La Sophra, c'est déjà où?
C'est les mines. Enfin, c'est les souterrains. Ah oui, ok, oui, ces machins là, ok. Bah, je crois que c'est... Ah là, c'est dans la forêt où on trouve Blade. Oui, oui. Non, c'est... dans le lac. Il y a des souterrains dans les ruines du lac qui te mènent à un coffre piégé qui te téléporte là-dedans. Ouais, je me suis fait un gros parcours. La descente à côté de Blade. Précisément, il a très, très exactement annoncé où on va mourir. Hein. Bon bah allons-y. Hein. Autant y aller maintenant et se faire crever. Hein. Oh bah tiens, je viens de trouver une belle invocation. Ouais, je crois que je vois laquelle tu parles. C'est l'armure de Radahn quoi, abusé. C'est bon, j'ai pas besoin du croc du limier, quoi. Y a quelqu'un qui le porte pour moi. C'est juste à côté de l'entrée de la Sufra d'ailleurs. Oh, l'arc runique, j'ai oublié de l'utiliser la dernière fois. Cette fois-ci, c'est pas oublié. Tu vois, tu y vas inconsciemment. Non, non, mais j'y vais pas du tout là en fait. J'ai envie d'y croire en cette run. Là, cette run, elle me donne envie de croire en elle, en tout cas. Plus que toutes les autres runs qu'on a eues, c'est celle-là qui va faire l'affaire. C'est celle-là qui va faire la diff. Fais pas trop de promesses dans le vent, là. C'est sûr. Bon, je n'ai aucun doute à ce sujet. Le bouclier cyclope, encore. Non, mais ça va, c'est obligé que ça soit une bonne run. Ça peut. C'est obligé. Hello. Comment ça, c'est obligé? Bah, c'est sûr. Faut pas vendre la peau de l'os. Une robe de magicien, on peut littéralement tout jouer. On joue ce qu'on veut. Faut pas vendre la peau du tué avant de l'avoir ours. Perle itinéraire de marchand de chair. D'accord. Et rune de restauration de la malédiction. Super, j'ai une fin de disponible. Voilà. Voilà. Le mangeur de caca. Super. J'annonce mort par un bouc qui te pousse dans une falaise dans 15 minutes. Arrêtez. Hein. Ah. Les runes intelligence plus combien d'assure aussi, c'était obligé. Ouais, non, mais là, je suis prêt. Je me méfie de toutes les falaises qui se portent à moi. Je serai prudent. Oui, oui. J'ai entendu celle-là. Non, il n'y croit pas du tout. Qu'est-ce qu'il vend le marchand? Des pattes argentées? Les cendres du moine gardien du feu. Je pense que pour les cendres du... Ouais, les petites clés la pierre. Je pense que j'utiliserai, je crois qu'il est fort. Dave, tu veux savoir quand tu vas assurément mourir? Et ben, vas-y, je crois savoir ta réponse, mais vas-y, dis. Oh yes, j'ai une torche. Let's go, mec. Le but final, c'est une autre boss, on est d'accord. Donc ça veut dire que tu vas être dans la zone du boss Mog, dans les catacombes, donc devoir descendre. Les pierres tombales, ça va te péter la tronche. Tu vois le souci, il y a de la gravité. Robe de Lusa. Non, non, mais la zone sous Mog... qui amène aux trois doigts, celle-là, il n'y a pas de boss derrière, donc elle est pas obligatoire. Hein. Je confirme. Donc. Jamais je vais foutre les pieds là-bas. Hein. Pour le nombre de fois que je me suis foutu en l'air en essayant de descendre cette merde. Donc, jamais de la vie, faut y aller, t'as un petit défi en plus. Non. dans les égouts de Lindel, tu peux aller affronter une première fois Mog. Ah oui. Et derrière lui, tu peux descendre pour aller trouver les trois doigts. Petit jumping puzzle, très sympa. Ah, ça me rappelle Guild Wars 2. Oh, moi dans celle-là ou dans une autre. Hein, oh, le chevalier limier. Ah oui, effectivement. Je suis tombé pour descendre, moi.
Ah, j'ai pas besoin du croc du limier, j'ai l'invocation avec. On a plus qu'à trouver son armure et on pourra faire un tuyau. Après le duo sorte cher. Le duo du limier. Voilà. À retrouver dans le DLC prochaine fois. Vivement le DLC. Oui. Il m'a quand même mis un coup ce bâtard. Après, il y a Farumazula qui causera une chute quasi sûre. Ça, c'est parce que vous avez regardé comment il s'appelle Erasmus. Farumazula qui cause une chute. Bah, Farumazula, t'as tellement de possibilités de tomber. Ça va, ça reste des... Non, franchement, Farumazula, c'est quand même casse-couille en vrai. Il n'y a pas trop de jump risqué. Il y a aussi l'arbre de Michaela. Oh putain, oui! L'arbre de Michaela non plus, ça va. Eh bah, ça dépend des arbres qu'il y aura sur les branches. Ouais. Oui, non, bah ça, oui. Non, mais c'est problème. C'est... Oh putain! Il y a tellement moyen de mourir gratos là-bas aussi. Bah, j'ai failli mourir comme ça. Avec le bouc. Oh, j'ai oublié que ça tirait si loin cette merde. C'est pas hyper complexe, mais suffit que le randomiseur mette des mobs à l'arc ou autre connerie et c'est moins drôle. Donc, un petit arbre serreux sur une des branches, hop, fini la game. Non, mais j'avoue que c'est un arbre serreux. Hein. Oh l'enfer. Alors, allez, juste pour le lol, je la mets. Juste parce qu'elle a été cool. De quoi? Il y a une armure qui a été cool que je viens de dropper. Ah bon? Oh l'enfer. Oh le pont de l'enfer. Oh, il y a un puits, une putain de baliste en plus. Le pont du sacrifice. Le pont de mes couilles, oui. Oh putain, j'ai mal au dos. Ça, on ira plus tard. En tout cas, ça va, c'est un bon début de run. Salut Kinou. Je suis à l'heure que je mange, j'espère qu'il y aura du suspense. Ah, tu en auras autant que tu veux. Pour l'instant, on est sur une bonne run, en tout cas, Kinou. Et merci pour ton lurk et bon appétit. À chaque fois que je vois un de ces aigles, ça me fait penser à la moronne nulle sur la falaise. On s'est déjà fait une chute mortelle, sinon elle fait l'alternative un gangbang de petits meubles. Vous êtes méchants. Pour l'instant, vous êtes pas trop original à nommer des fins qu'on connaît, là. Ouais, j'avoue que bon, tout ça, on s'y attend un peu. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui sont plus précises, genre on tombe sur tel boss, qui nous flingue... Notre race, oui, mais non. Le bouclier du flocon. Bon allez, on va aller voir Bok. Ah. L'agent Bok. L'agent Bok qui a déjà réussi à régaler. Hein. Ah ouais, Bok qui nous a déjà fait plaisir. Après, on est déjà sur une run du plaisir. Qu'est-ce qui pourrait nous donner encore plus de plaisir? Alors moi j'avoue qu'un petit souvenir de boss là, 50 000 âmes... Ah oui c'est vrai, ça fait un moment ça, qu'on en a pas eu. Ça fait longtemps tiens. Après des runes on en drop quand même, depuis tout à l'heure. Ouais. Alors on en drop certes. Est-ce qu'on en drop assez?
Est-ce qu'on peut en dropper? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où t'as assez de runes? Moi, je pense le que... Non, mais sinon, j'ai pas besoin de prendre le feu ici, je reviendrai pas. Mais il me casse les couilles, ce con de chien, là. Tiens, allons voir qui est. Dans le lac. Ah. Alors. Bonsoir Pépé. Patient, j'ai au jour 10 de la dose d'Elden Ring est stable. Alors. Tout va bien. Bonsoir Pépé. Vous savez, Tav il arrête quand il veut. Hein. Mais j'arrête quand je veux. Hein. j'ai aucun souci. Hein. Oh ça va. Ça va, qu'il nous dit. Est-ce que je sais de la faille ou... Bah, il y a un boss optionnel du début pour pas l'avoir endgame. Alors, ça serait tellement bien. Ah oui, ça, on. Bah, ça fait toujours peur quand on rentre sur Malenia, mais on est content de l'avoir en early. Hein. Quand on rentre sur Malenia ? Oui. Mm-hmm. Bah, toi, tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux. Hein. Ah. Bah, ça doit être pas mal. T'es garanti une STD. Enfin, MST, ça c'est obligatoire. Hein, c'est... Mais tu choisis celle que tu veux. Qu'est-ce que t'as raté, Pépé? Bon, on a loot première arme du jeu. On l'avait directement dans la main, le croc du limier. On a l'armure de Radahn. On a eu pas mal de runes. J'ai déjà pris quelques niveaux. On est bien. Rien de fou, il a pas encore longé une falaise. Vite. Traumatisé. Il me saoule. J'ai compris le message du jeu. Je combattrai pas ce boss tout de suite. J'ai eu un crash. Ah. Mon rêve que tu rentres dans la zone de Margit, il y a Malenia direct. Bon, en vrai. Bah, ça va encore à ce stade-là. Ouais, bon après c'est une arène un peu chiante pour affronter. Aïe. À ce stade-là, de toute façon, à ce stade-là du jeu, c'est pas t'esquive Malenia, c'est t'essayer de la poutrer avant qu'elle fasse quoi que ce soit. D'accord, je viens de prendre un truc, je sais pas d'où. on va se marrer. Une baliste ? Oula. Non, plus un géant. Elle a changé. Hein. Avec une grosse hallebarde. La fille qui meurt là, elle a changé. Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a changé. Et Irina, je crois. Oui, Irina. Qu'est-ce qu'elle donne? Oh, c'est tellement bien. Bok, au fait, il en vaut la peine ou... Ah, gros check sur Bok. Je l'ai pas dit, ouais, oui. Mais gros check. Ça marche. C'est franchement presque autant qu'Irina. Ah! T'as manqué, c'est la run où je me dis que je vais. Bon, changement de plan. Je vais pas jouer mon build. Je t'as vais jouer l'arme que je viens de trouver. T'as encore trouvé cette putain d'arme? Non, j'ai trouvé mieux. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé encore? Hein, j'ai trouvé l'espadon du clair de lune. Ah. Oh putain. Oh, c'est abusé. Ça, j'avoue que là, je suis très 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 tenté de la jouer, celle-là. Ah ouais, me laisse pas dans le clair de lune, elle est belle en plus comme arme. Et puis elle est forte aussi, hein. On va pas se mentir. Il y a aussi non, au pilar, la reine n'est pas grande, boss de fin, donc masse HP, elle serait pas drôle, là. La dame, j'ai type belle avant. Je commit sur mon choix. Espadon royal. Encore des pierres. Saut de griffure. Bréviaire des deux doigts. Petit portrait. Ok. Ok, bon bah, d'accord,
L'accueil est chaleureux. Tu as raté Tav en striptease à ASMR. Et c'est pas trop mal. Comment ça? Il a raté qui en striptease? À moi, pardon. Ah. Je tiens à vous dire que déjà, un, ça serait vraiment pas mal. Pour commencer. Hein. Et je vous rappelle que je fais la muscu. C'est un cadeau à la communauté. Hein. Oh la rune, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, oui, l'espadon! Et je vois qu'on passe au même endroit. Oh là là, l'espadon clair de lune. Oh putain. Ah, mais moi aussi, je suis. Ça te titille. Hein. J'ai le crème, mon vie! J'ai le crème! D'accord. Non, non! Je reviendrai une autre fois. Je me suis fait attraper par une énorme main, j'ai failli crever. Mais tout va bien. Je suis un professionnel. Tout va bien. Je passais vers un gros dragon et j'ai failli crever. Non mais sans déconner. Mais qu'est-ce que c'est que cette péninsule du sud de la mort là? Pour l'instant, ouais, c'est... Entre les lions, les dragons, les mains... Oh mon dieu! Oh putain, l'église! Oh, je prends pas... C'est bravo, j'en viendrai une autre fois. Ouais, moi... Alors moi, j'ai pris des trucs à l'intérieur, mais je me suis pas arrêté prendre la grâce. Hein. J'ai fait exactement ça aussi. J'aurais voulu, hein, mais. Non, mais quel enfer! Hein. Ouais, il m'a mis un gros souffle. Je pensais me protéger avec l'église. Il a mis un gros souffle. Ça a détruit la moitié de l'église. Ça, c'est. Et moi aussi, je pensais qu'un mur de briques, ça stoppait les flammes. Toi aussi? J'ai fait l'erreur de penser ça. Toi aussi? Eh ben, la réponse est non. Oh, les idiots, quoi. Putain, espadon clair de lune. Oh, je sais pas, du coup. Non, mais espadon clair de lune. Oh, c'est... Ah bah, finalement... Je retire mon call, hein. Il va peut-être avoir le débat habituel interne de Tav. Non, mais il y a tellement d'arbres, là. Mais, non, mais Ilou, à vous, il y a beaucoup de trucs, là. D'habitude, on a rien. Et là, on a tout. C'est combien? C'est quand même 38 d'intelligence. Hein. Ah bah c'est un... Oui, c'est faux commit. Hein. Regarde, vous avez vu cette arme, comme elle est belle? Elle tape tellement fort. Hein. Non mais 38 d'intelligence, j'ai combien? Oh putain, j'ai 9 d'intelligence. Ouais, bon non. T'as vu, il est rentré dans l'église, il a vu le dragon, il a regardé sa monture et il dit « Prends tes affaires, on s'en va !» Non merci. Est-ce que t'as vu les ruines à côté de l'église Pas celle où il y a le dragon, mais l'autre hein. J'ai pas... Ah oui, au milieu, oui. Oui, tout à fait. Non mais qu'est-ce que c'est que cette péninsule du sud, hein? En vrai, si tu trouvais l'épée courbée de Zamor, tu serais tout aussi bien. Je sais même plus à quel c'est d'arme. L'épée courbée de Zamor, j'avoue que moi non plus. Oh, la pleine lune de Renala. Comment ouais, ça? Ah putain, je suis obligé d'aller voir Renala. Oh. Ça, t'es obligé d'aller voir Renala. Rani. Rani. Ah, t'as oublié d'aller voir Rani. Ouais, comme d'hab, quoi. Et pourtant, là, il avait pris le TP. Oui, c'est vrai que t'avais fait l'arme. J'ai pris le TP. J'ai pris le TP. Oh, y'a le katana, l'arme en écaille de dragon. Non, mais c'est abusé, mais. Ah, je crois que je l'avais joué une fois, il est pas trop mal, hein. Bah, j'étais à la lanterne, hein. Je vais faire pareil. Non mais c'est abusé.
Putain, mais d'habitude, on a rien, on a tout. Si on veut faire un dex, on joue dex. Si on veut, on peut tout faire. Le croc de limier version glace, même type d'arme que le croc de limier, donc ça combine mieux que la coordination avec celle de la mort pour gratter des dégâts. Ah, ça pourrait être pas mal. Hein. À voir. Non, mais il y a. Mais franchement. Dire qu'il a tout, écoutez, en 10 minutes, c'est fini par une chute. Mais arrêtez de m'attirer la poisse, vous êtes les pires. Franchement, c'est les pires. Hein. Emotional damage. Oh, j'ai quand même eu un pavois distingué. Hein. Oh, narco noir. Pas n'importe lequel, quoi. Le distingué. Le distingué. Hein. Des runes. Ok, la péninsule du sud, c'est fait. Bon, bah, direction la Khalid. Pour aller voir Monsieur Dragon. Ah, le voit distingué, le voilà. Mais putain, c'est encore planté, mais... Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Le parent ne t'empêchera pas de mourir quand tu shooteras, tu sais. Non, mais c'est bon, Wolf. Cette blague, tu l'as déjà faite plein de fois. Ça suffit. Putain, si je meurs qu'il allait me toucher, le con. Si je meurs d'une chute, je vais en entendre parler pendant 30 ans. Taf passera à deux doigts du trépas à cause d'un mob, il sera un point de vie et juste avant la popo, il sera piqué par une libellule. Mais avec la chance que j'ai, ça sera très exactement ça en plus. Je veux dire, c'est tellement précis comme scénario que ça risque d'arriver. Alors, moi, j'ai envie d'y croire au scénario de Bounty. Le problème, c'est que c'est pas une blague. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, je sais pas qui est le boss ici. C'est le. D'accord. Lindel, la capitale royale. J'ai de vigueur. Moi, à la base, tu sais ce que je voulais faire, Elo. Elo, aujourd'hui, je voulais jouer Gridance et mettre juste 20 en vigueur et mettre les points qui manquent pour jouer l'arme que je voulais. Mais vu qu'on a déjà le croc du limier. L'arme que tu voulais, bah, je sais pas, c'était en fonction de l'arme. Mais là, tu vois, par exemple, j'aurais eu l'espadon clair de lune. J'aurais mis plus aucun point en vigueur et j'aurais tout foutu pour pouvoir l'utiliser. Mais bon, on a de la moule. C'est combien de force? C'est 16 de force. Donc, j'aurais pu l'équiper. Non, je vais pas faire ça quand même. Non, je vais pas faire ça. Non. J'ai regardé le nombre de souls pour avoir le level max. J'avais oublié, ben flemme. Ah bravo. Merci pour cette information. Le level max, tu veux dire 999? Ça doit être beaucoup. Pourquoi tu veux avoir un Regardez le chevalier là-bas, il est sur sa petite branche. Ah, en plus, c'est pas 999, parce que 999 c'est... Ça te sert à rien vu que tu peux plus augmenter tes stats. 1,7 milliard de souls pour le level 713. Ah, d'accord. Ça sert à rien. Bon, après, moi je fais partie des idiots qui m'arrêtent au niveau 120 avec tous mes persos parce que, comme ça, si un jour je veux faire du PVP, je peux. Pourquoi au-delà du niveau 120 tu peux plus? Bah en fait le PVP est calculé pour que tu affrontes des gens de à peu près ton niveau, plus ou moins je cherche le mot, je trouve plus. T'as une petite variation quoi, c'est entre si t'es niveau 120 t'affrontes des dégâts entre 110 et 130 à peu près quoi. Mm. Et c'est le niveau un peu metagame où les joueurs PVP se retrouvent, quoi. Ah non, j'ai cru que ça avait bugué. Ouais. Je vois.
va trouver une dinguerie. Ah oui, Oh, qu'est-ce que c'est ça, hein. Ça vaut la peine. Scarabée des pierres d'éclat, et surtout ça, c'est quoi ça? Gantelet de Malenia, génial. Bon alors, le dragon... Ouais, c'est le second dragon de l'esprit. Si je meurs d'une chute... Oh mais non... Et ça te double les dégâts sur... Putain, j'ai peur de mourir d'une chute qui me porte tellement... Oh, les crevisses de merde. Ça double pas les dégâts que tu subis, hein, le truc. Hein. Attends, c'est pas ça. Ça augmente les dégâts que tu prends, ah, ça oui. Les double pas. Tu peux voir au niveau de tes résistances la différence que ça te fait quand comment elle baisse. Heureusement que on a les armes de saignement, parce que l'un des trash à tuer pour le dragon, c'est une écrevisse à la con. Moi, je vais aller derrière lui. Oui, mais moi aussi. Moi, je vais faire ça salement, comme d'habitude, et puis voilà. Mais... L'armure d'Aradan. Incroyable. Ah putain, mais il y a une machine qui veut me parler là. Oh. Tu veux aller à la table ronde? Non, mais j'y vais. Non, mais c'est bon là, tu peux attendre 2 minutes. De toute façon, on n'a pas le choix en plus d'y aller. On est obligé de s'y rendre. Une écrevisse à Greyroll, oui, tu peux être heureux, tu vas mourir d'autre chose que je. Non, mais Greyroll. On fait juste le dragon et on se casse, hein, d'accord. Ni plus, ni moins. Oh putain, Gideon. Oh putain, il est trop swag. Merci, Gideon, pour ton lurk. Bonsoir à toi. Alors, Gideon, il a jamais été aussi bien habillé que maintenant. Tu as déjà vu Monsieur tout nu? Gideon est devenu un gigolo. Vous imaginez, putain, si on se fait tuer par Gideon. Et moi j'y pense, mais Gideon, on est censé l'affronter à un moment. Si on le bute avant, il sera plus à la... À la table ronde. Hein. Je veux savoir pourquoi fallait que t'ouvres ta grande gueule. Je l'ai trouvé, Gideon. Hein. Tu es... Il est vraiment là où je voulais. Hein. Il a trouvé Gideon direct. Mais vraiment, au moment où t'en parles, quoi. C'est oufissime. Bon, bah on félicite pas Tav. Hein. Mais du coup, moi j'ai une question. Tu fais comment pour aller en Lurnia, toi, Tav? En Lurnia, en Kaelid. En Kaelid? Ouais. Bah, par cheval. Ok, ok. Moi, j'utilise systématiquement le portail derrière l'église de Marika, là. Ah oui. Non, moi, je pars. Hein. Je pars à pied. Et bah, cette fois-ci, je pense que tu as eu raison. Ah oui, d'accord, j'ai compris où il était. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vendent? Les pierres de forge. Ouais, je viens de prendre le TP à ce moment-là. Et ben, on va prendre le feu et on va se re-TP à l'opposé. Ouais. C'est pas fou. Hein. Je dirais même que ce qu'ils vendent, c'est plutôt de la merde. En vrai, t'as le coffre TP, il suffit de te sortir la mine en courant, rien de bien compliqué, ouais, ouais. Galit, j'entends Carblit de Kaamelott. Hein. C'est où la boutique du marchand de... Non, pas lui. Oh, j'ai déjà un riff. Ouais. Ouais, Mélina, on y va, on s'en va vite. Allez, Mina, tu prends la main, on y va.
Là, je la prends direct. Allez, hop. Ah, ça la prend derrière, direct. Ah, direct, ça... Là, il prend Mélina, l'autre il prend Malenia. Vous me laissez pas trop le choix quand même. Hein. On te laisse Rani. Hein. Je vais devoir me contenter de la mangeuse des morts, hein, c'est tout. Hein. Bah en vrai t'arrives direct à Celia, t'as allumé 3 brins 0, t'as 3 coffres gratos pour les droits. Ouais on va faire ça, Ah, c'est bien des pierres de forge sombre. C'est con, j'en ai pas trouvé une seule. Vous avez trouvé des pierres de forge sombre, une vous? Non. Laisse-nous vérifier. Oh putain la baisse. Non. On a toutes les armes, on n'a pas de pierre. J'en ai 4 niveau. Alors 7. Moi, mon arme, elle est en pierre de forge normale, hein, je vous signale. Moi, je suis bon. Hein. Ah putain, Gideon, oui, effectivement, il est magnifique. Sauf que monter toutes les stats à 89, c'est utile, puisque vers 60, en stats, t'es rank. Tout à fait, Dophie. Bonsoir, Dophie. Gala dont tu laisses la fille de Ricard, elle est chaude, t'inquiète. Après, il faut marcher sur des branches mauvais conseils. On sait jamais quand un aigle passe. Putain, par contre, aucune pierre de forge. Tav, Bounty ? Ouais, Bounty. Allez, allons choper le dragon, alors. Mon petit dragon porté sur son dos. Je mélange les noms, il est temps que je finisse le taf. Non mais j'ai compris, hein. T'inquiète pas. Ah mais fille, elle a l'armure de Gideon. Tant pis, pas de pâte dorée. Oh, j'en ai pas trouvé. Déjà, il va falloir que je réussisse à sortir du sanctuaire bestial sans me faire défoncer. Eh ben moi, j'y vais pas. J'ai compris la leçon hier. Kaelid, ok, juste pour le dragon. En dehors de ça, tu te casses. Salut Cartel, je viens d'avoir Malenia, bravo Cartel. Félicitations. Félicitations, clap clap pour Cartel. C'est la deuxième fois d'une semaine, ça devient gênant pour le jeu. En famille Adams, toi. D'ailleurs, j'ai bien aimé la série sur mercredi sur Netflix. D'ailleurs, il faut que je commence. Il paraît qu'il y a une série sur Disney, c'est Ronin. Il paraît que c'est vachement bien. J'ai vu ni un ni l'autre. c'est sur les samouraïs. Avec un titre comme Ronin, jusque là, je suis pas tombé de ma chaise, hein, je t'avoue. Moi, j'aime bien les samouraïs, moi. J'ai entendu beaucoup de bien sur Ronin aussi, ouais. Je joue pas beaucoup katana, hein, pour quelqu'un qui... Bah, disons que j'avais une run où je jouais katana, et... Figure-toi que ça s'est mal passé. Oui, mais pas à cause du katana. Pourquoi je ris aux blagues de Bounty, je vous le demande. La blague est valide. Ah merde, il y a le truc qui est là-dessus. Ah, t'as fait un... ah tiens. Oh
Bounty qui dit c'est un nain qui a des relances, Ronin. Oh là là, ça va chier sur le chapeau de roue. Désolé, cette blague n'est pas approuvée. Moi, je l'ai quand même validé parce que bon, Bounty est l'un des principaux donateurs de la chaîne, donc je n'ai pas vraiment le choix. Mais... Ah voilà, je ne peux pas me passer de cette partie de mon public. Hein, voilà. Je peux pas partir sur un suicide commercial. Quoi. Le connard. Bandit hérétique. Sachez que j'ai eu mon premier souvenir. Ouais, ouais, j'ai aussi utilisé mon objet de départ. Je me garde le géant de feu pour plus tard. Et moi j'ai peur, moi je voudrais bien aller utiliser la morte fleur, mais vu que vous m'avez dit qu'il y a Gideon qui est pas loin, j'ai un peu les flippettes quoi. J'ai un peu la chocotte. C'est Gideon, hein, c'est pas non plus. Ouais, mais bon, Gideon qui te snipe avec une sorte de comète sur la tronche. Et voilà, la run elle est finie. Hein. Il est mort. Tu vois toujours les choses du mauvais côté. Ouais, mais c'est l'habitude, tu vois, de jouer Elden Ring. Je te trouve pessimiste quand même. Non, je demande pourquoi. Malinia à la place du géant de feu pour avoir une Malinia qui a 40k d'HP. Oh, mais putain, mais pourquoi il est méchant? Ah, ouais, c'est pas comme ça que ça scale, mais. Il scale pas en fonction des stats du boss qui remplace, il scale en fonction du boss qui remplace, c'est-à-dire le moment où on rencontre le boss en question. Non, faisons pas ça. Soyons raisonnables. Ne mettons pas les points dans l'intelligence pour jouer la Moonblade. C'est combien la Moonblade déjà ? Par curiosité. Non, c'est trop, 38, c'est trop là. Même avec le dragon, j'ai même pas assez. Avec le dragon, je monte à 23. Moonblade, Moonblade. Mais je voudrais bien la jouer la Moonblade. Mais les gars, c'est l'abus là. J'ai jamais assez d'intelligence pour la manier. Même en mettant plus aucun point en vigueur. Mais vous imaginez ? Un monte sans limite ? Après, t'as pris un bull d'ex, lame et force, intelligence. Bah oui. Non mais soyons raisonnables. Mettons les points en vigueur. Un petit peu. En dex. Va défoncer du boss, tu seras fixé XP ou mort def. Non mais attendez, j'ai de quoi quand même prendre quelques niveaux supplémentaires. Attendez, calmez-vous. On va aller voir un copain. J'ai même pas utilisé de bubule sur ma lit. J'ai repris les larmes de Ricard en plus 10, ça lui fait très mal. La larme de Ricard. La lame de Ricard, j'imagine. L'épée blasphématoire. Ah, bah oui. Ah oui, il a fait une Mister MV, quoi, par contre. C'est ça. C'est honteux, cartel. Hein. C'est pas toi qui disais que t'avais jamais battu Malenia sans invocation ? Ah non, une fois, je l'ai battu à Randomizer. Hein. Ouvre la porte! Ouvre la porte avec Gideon, viens te faire un fiac! C'est bon. Après, s'il veut, il passe la porte. C'est quoi qui m'a mis sur moi là? Je sais pas exactement. Tu l'avais toi aussi? Ouais, ouais, cette espèce de debuff, je sais pas à quoi correspond. Pareil aussi. Vous n'avez plus de points de vie. Pourquoi ça part pas là? Ah bah moi c'est parti vu que je suis allé à la table ronde juste après. Non mais la blague. Moi ça part pas moi.
serais pas un peu trompé d'endroit, mon coco? Ah ouais, c'est bon, je l'ai enlevé. Quand elle avait 10 HP et le scaling de dégâts du soldat de Godric, quoi. Non, elle était dehors sur l'arbre bande mineure, et on a fait un combat tout à fait, vous en doutez, honorable entre elle et moi, et puis voilà, je l'ai battue, c'est tout, soyez pas jaloux. J'ai pas vu la run de MV, mais s'il a fait ça, je la soutiens, il a first try, cet enfoiré. Bon, bah au moins, c'est quand je ferai ça. Allez, donne-moi... Oh, je me casse. Souvenir du géant de feu, très bien. Battu par Zidane hier. Tu sais que quand t'es sur la carte, tu as des raccourcis pour aller directement à la table ronde. Ah bon? T'as une manette Xbox, toi? Ouais. Alors, ah ouais, si c'est lui. Non, c'est YX. X. Ouais, j'ai trouvé. YXA et tu te téléportes à la table ronde. Qui va manger son souvenir? Miam, 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 miam. Oh, j'aurais peut-être pu avoir assez pour utiliser la Moonblade. Dommage. Bon, on part sur... Malheureusement, jamais. Bon, bah, alors, de toute façon, on part sur le croc du limier. Hein. Voir l'éclair de Grand Saxe, si on est foufou, mais... Avec ton bullet index, imagine que tu chopes le souvenir de Malenia pour son katana. Mais de toute façon, on n'aura pas son katana, parce que... Son katana, il coûte trop d'ex pour ce que c'est, en vrai. Je suis pas sûr que tu peux t'autoriser à utiliser le katana de Malenia en randomizer, parce que... Certes, son attaque est cool et puissante, mais t'es un peu bloqué dans l'animation, donc tout suivant le boss que t'affrontes, tu peux te suicider avec. Ouais. Oh le look. Allez, je laisse affronter le PVP, hein. C'est bon. T'as un prisonnier qui doit jouer Elden Ring, moi le surveillant qui attend de voir quand il fera une connerie. Tu savais. Là, vous êtes une vingtaine de surveillants, mais regardez. Disons que je vois Tav au bord d'une falaise, appuyé sur LT par accident et foncé dans le vide avec des slashes. Mais arrêtez! Mais pourquoi vous voulez tous... Vous êtes méchants. Ça croit bien en toi, hein, en tout cas. vous êtes tous des méchants. T'es d'ailleurs, je suis pas allé voir Rani. Rien qu'un vilain. T'as vu, hein, cette bande de jaloux. Ça me jalouse, hein, je reconnais. Hein. Tu veux le combien, là, du coup? Level 39. Hein. Oh yes, elle a paru direct. Alléluia. Bon, j'ai bien mangé, mais pas de drame, je suis un peu déçu, je vais me coucher à l'alarme à l'œil, t'inquiète pas, hein. Ça va venir, à mon avis, vu comme ils sont en train de m'attirer la chkoumoune des autres, ça va venir, à mon avis. Une bonne nuit à toi, Kino. Disons que les gens qui regardent du Elden Ring, c'est toujours pour la même raison, comment va-t-il mourir? C'est bon, il est là. Tu vendais pas des pierres de forge une, toi? Non, hein. Bah non, connard. Ah, mais tu vends de belles choses, toi, mon petit coco. Comment il parle, lui? Salut, bébou. Elle a toujours bien parlé aux vendeurs. Là, je vais aller voir les vendeurs de Kaïd, du coup. Le plus grand combat du boxe de tous les temps, Tav versus la gravité. D'ailleurs, il y a eu un gros combat là de boxe, de MMA, je connais pas trop l'univers. Il n'y a pas eu un Français contre je sais plus qui là.
connais pas du tout. Eh bien, figure-toi que moi non plus. De plus. Alors déjà, ça ne m'intéresse pas, mais alors en plus, un boxeur français. Depuis ma Suisse, je t'avouerai que... Allez, les vendeurs. Doumbé, il s'appelle, je crois. Ah ouais, je crois que c'est ça. Il y a trois gros combats cette semaine. Mais l'année dernière, c'était un français cartel. Hein. Je crois qu'il a perdu, d'ailleurs, le français. Doumbé versus Baki. Non, mais Baki, ça, c'est un manga, ça. Ça, c'est dans les animés, ça n'existe pas. Joshua versus Ngannou et Poirier. Ah oui, c'est Poirier. Poirier versus Saint-Denis. On va faire... On va passer de l'autre côté, hein. Oh, la rapière de Rougi. De Rougi. Pierre de Forge Sombre 2. Ça fait plaisir, sachant que l'autre, il est vend 6000 balles. Mais il me faudrait une pierre de forge, une forge sombre, une, s'il vous plaît. Faites un effort. J'ai 4, 9 dragons anciens. Ça va finir cardiaque. Putain. J'ai 2, 4, 9 et dragons anciens. Moi j'ai 2, 4, 7 et 9. Baki, mais il s'est pris pour un type qui peut prendre un coup d'un gorille, ça bougeait. Pourquoi dans Baki, il fait ça, moment? C'est possible. Hein. Moi, j'ai pas regardé Baki depuis les tout débuts. Hein. Regardé depuis le tout début non plus, mais seulement depuis qu'ils ont adapté la suite un peu au goût du jour, quoi. Oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce marchand? De la merde. Bah alors vraiment, vraiment de la merde. Alors là on est sur du haut niveau. Mais sur de la compète en termes de merde. Ah ouais, là franchement. J'ai rarement vu autant dégueulasse. J'ai déjà vu de la merde, mais alors là. On attend des points de non-retour. Alors allons dans ce cimetière. La boxe anglaise est au-dessus de tout sport en combat. Moi je suis désolé mais... La boxe anglaise... Moi j'ai regardé Ip Man et le mec qui faisait la boxe anglaise il s'est fait défoncer. Hein. Ouais. Il sort ce machin. Oh, il a tellement de points de vie. Bah oui, on est en Kaelid dans cette zone forcément. Qu'est-ce que t'as trouvé en Kaelid? T'as trouvé un dragon peut-être? Non, mais l'équivalent d'un mob qui est scale pour la zone quoi. C'est vraiment ça le boss ici? Oh oui. Ah c'est... En plus c'est les deux! Ah bah oui! Y'a pas le feu, cool. Oui. Non, pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça. Pas comme ça. J'ai eu chaud, sa mère. J'ai tellement failli crever. J'ai aucune évocation, je m'en compte, moi. Ah si. Oh bah tiens, mais je n'aurai aucune honte à utiliser l'invocation, même si c'est un trash, j'en ai rien à foutre. Ce cimetière, il me fait trop chier à chaque fois. Il fait quoi son sceptre, acheté? Une masse, non? Non, c'est un sceptre. Ok. Mais vas-y, tire avec ton putain d'arc à la con, là. Ah, je pense qu'il fallait... Oui, non, c'est ça, c'est un sceptre, mais c'est considéré comme une masse, oui. Ah c'est oui, c'est un marteau, ok. Quel enfer du cul. C'est le comble pour un mage.
Je vais faire une grosse connerie, moi. Oui, 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 c'est bien ça. Kaina, merci beaucoup pour ton leur, gars. T'as réussi à me faire pleurer de rire avec la run qui finit sur un gargouille qui est responsable de ta mort. C'est vrai que... Et le clip était très bien, d'ailleurs, Pépé. T'as fait beaucoup de clips hier, merci beaucoup. J'ai trouvé un boss en K-Lead, il est pas trop discret. Ouais, je vois duquel tu parles. Quand je l'ai vu derrière le mur, j'ai fait, mais c'est quoi ça? Ça me rappelle rien. Puis après, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah si. Ouh, alors moi je l'ai vu un peu de la hauteur, vraiment j'étais en mode ah oui, j'ai pas trop de doute de ce que c'est. Ça doit parler du géant de feu ça. En termes d'efficacité, les sports asiatiques gagnent contre les autres sports en temps normal, donc bon. Non mais moi je parle d'un film après. Hein, donc... Oh, la larme cristal cellurienne. Dommage si on avait joué la Moonblade. Ça aurait été tellement bien. Personne n'a trouvé de pâte dorée. Hein. Non. Encore une fois. Parce que je tourne un peu en rond. Jean de Feu ou Estelle qui doit se faire donner. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances, mon petit Wolf. Moi, j'ai dû le rater. Moi, la Kaylid, je serre un peu les fesses quand j'y suis à chaque fois. Et moi donc? Je devrais un petit passage, j'ai pas fait le fier. Respire, respire. Ouais, ouais, c'est en cours, c'est en cours. N'oublie pas. De quoi? Parce que je te remercie, Pépé? Qu'est-ce qu'ils vendent? Putain, mais... Par contre, des pierres de forge, une, tu peux y aller, hein. Est-ce que j'aurais pu rater un marchand? On va aller... rapido à côté de l'académie. La version d'Estelle à la grotte, je l'ai fait hier soir, j'en ai chié. Ouais, c'est vrai que la version de raffronter Estelle V2, lui, il est bien casse-couille. Hein. Ouais. Bah ouais, il y a toujours le move où s'il t'attrape et tue, il a tendance à me casser les couilles, oui. Vilain, Estelle, vilain. Le pire ennemi pour Elo. Putain, la run. La run d'hier. Manger, c'est quoi, t'as trouvé Radagon? Non, j'ai trouvé. J'ai trouvé un mec sur. Sur une baliste. Mais c'est quoi ces mobs? Arrête, je vais mourir. Merci en tout cas, Tav, j'ai appris ce week-end une sale nouvelle. Ah bon? J'espère que c'est pas trop grave. Son move où il se dédouble 150 fois. En plus, si je suis en Khalid et tous les pires mobs au monde sont au même endroit, ça va pas. Ça marche, Pépé. Bah, tant mieux si ça te remonte le moral. Attention, parce que là, y a quand même, on est quand même sur une falaise, donc. À tout moment. À tout moment, je tombe. Hein. Salut, toi! Oui, on est PV. Courage, Fillon. Oh les saloperies. Oh les belles saloperies là. Je veux bien que ce soit la K-Elite, mais il y a des limites. Hein. Bah moi je suis parti, hein. Bon, c'est bon. Je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Eh bah heureusement, parce que moi j'ai continué. Moi j'ai fait juste les marchands, c'est tout. C'est l'enfer, juste après c'est encore l'enfer. Hein. Ah putain, j'ai oublié le cimetière en K-Elite. Indice Dragon Ball. Ah oui, la mort de Akira Toriyama. Ah! Beaucoup de monde qui sont d'ailleurs. Moi, ça m'a pas trop. Ça m'a pas trop touché parce que, bon, Dragon Ball, c'est pas non plus. Moi, j'ai jamais. C'est pas mon dada, mais je comprends que les gens, ça les touche un petit peu quand même.
Moi, j'ai complètement grandi avec Dragon Ball. Je peux toute citer par cœur sans problème. Mais c'est vrai que. Bah voilà, c'est triste, mais malheureusement, on peut rien y faire. C'est la vie, quoi. Ouais, en fait, juste un triste. Mais c'est vrai que c'est triste, hein. Il est mort tôt en plus, hein, finalement. Ouais, il avait pas plus que. Je crois 68 ans. Ouais, c'est 68, ouais. Pour un gars, au Japon, ils sont tous immortels, donc. Il avait quoi, le quart de sa vie Ouais, à peu près. Ça démoralise un peu, bah ouais. Moi, c'était celui. Il a dû regarder Dragon Ball Super, ça l'a achevé. Mais c'est lui ou pas qui fait Dragon Ball Super hein? J'ai entendu des sources qui disaient oui, et d'autres qui disaient non. Donc, Oh, je dis, je crois pas, mais en vrai, j'en sais rien. Mort à 68 ans à cause de la coke et des geishas. D'ailleurs, au Japon, à la limite, c'est une belle mort. Ils sont en train de se refermer un petit peu, les Japonais là. Putain, ils vont des pierres de forge. Ils sont en train de se refermer. Ouais, mais se renfermer bien comme il faut là. Oui, bah, encore une fois, ça fait un moment hein, qu'ils ont commencé là. Ouais. C'est dommage. Hein. Bah oui, parce qu'en plus, ils sont en chute démographique donc. Apparemment, souffrirait d'ouvrir un peu les frontières et boum. Le Japon, c'est l'extrême droite. Hein. C'est le Japon d'avant-guerre, c'est une autre culture. Hein. Non, mais. Je me demande s'il y en a qui auront la ref de ce que je viens de dire. Les Japonais, ouais, ils sont de droite, ça c'est sûr. Hein. Je ne le dis pas, mais. Ce que je veux dire, c'est que les Japonais. Là, avec les récents événements qui sont passés avec les Américains streamers qui ont foutu le bordel là-bas un peu, bah, ils ont décidé d'interdire l'accès à certains quartiers de leur ville aux étrangers. Oui, j'ai vu ça. C'est ouf quand même. Mais. C'est quoi ce gros machin là-bas là? C'est un géant? Comment elle est bien. Non, c'est pas lui en fait, c'est plutôt Toyotaro et Akira garde un œil aiguille pour pas que ça parte en vrille. Bon, on est d'accord, il écrivait plus. Hein. Moi, je pense qu'il le gardait pas du tout à l'œil. Hein. Elle est guère comme elle est guère. Hein. Ouais, les Japonais, ils sont bien de droite, ça c'est clair. Pas trop de doute, oui. S'en cache pas vraiment. Hein. Non. Oh, j'ai raté un pingouin, dommage. Moi, je pense que tu peux restart, hein. Ça sert à rien. Ouais, c'est mort là. Je recommence tout. Hein. En même temps, il doit être un peu vénère. Non, mais je suis d'accord, mais après, c'est quand même. Ah oui, non, ils ont fermé leur quartier, c'était pas à cause de ça. C'était à cause de des mecs qui allaient au quartier où il y avait les geishas, justement. C'est pour ça que ça m'y a fait penser. Et qu'est-ce qu'ils vont être cons. Et du coup, ils arrêtaient pas de prendre des photos et tout avec les meufs. Ils foutaient le zbeul. Oh, j'ai trouvé la faveur de l'arbre monde. Bon, normal. Hein. On sait où elle est. Allez, cheval. Bon, je comptais pas aller au cimetière de l'académie, mais on va y aller. Hein. L'académie vient de foutre le bordel en pensant à la Japan Expo, on peut comprendre la réaction. Non mais oui, après bon, je comprends tout à fait les Japonais, hein. Je dis pas qu'ils ont tort. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. T'imagines l'inverse si des armées japonaises venaient toucher des culs à Montmartre. Non, mais je suis d'accord avec vous. Calmez-vous.
Attention. Je ne dis pas l'inverse, mais c'est juste que je trouve ça dommage, du coup, au final, parce que... à cause de quelques blaireaux, encore une fois, que... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pierre de forge et dragon ancien. Ah, moi aussi, j'en ai une, maintenant. Voilà. C'est dommage que j'ai pas le numéro 1. Ah, hein. Oh, ça aurait été tellement bien. Mais... vous avez toujours pas trouvé des numéros 1, d'ailleurs, hein, des pierres de forge. Non. Putain. Ça va être chiant à trouver, je sens. On a malheureusement aussi besoin. Mais calmez-vous. Oh les enfoirés. Non, c'est bon, j'y vais à pied là. Rage, il y aller à pied. Salut Karat. Oh putain. Monsieur, avec votre gros gourdin, calmez-vous. Rythme cardiaque du taf 150 watts, non mais parce que là, à tout moment... ça part en couille. Hein. Oh, la capoche causante, trop bien. Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir. Oh, là, le cimetière... À côté de l'académie, il y a une rune niveau 9, une de niveau 3, une de niveau 7. Et après, c'est globalement de la merde et un médaillon d'ambre pour la mana. Il est sympatoche. On a connu mieux. Tu es level combien ? Je dois être level 40 par là. D'ailleurs, j'ai testé pour vous, avant de la finir, jouer bouclier contre Malenia, ça ne marche pas. Bizarrement, je m'en serais douté. T'as vu qu'il va se coucher en tremblant dans son pur à cause du manque du stress, d'Elden Ring, Nodes. Mais moi, je suis trop content de faire du Nodes en vrai, et je suis content que ça vous plaise aussi, hein. Moi, je m'amuse bien. Je manque que niveau. Je suis devant Radan, vous avez un conseil. Est-ce que tu as pris un petit peu de vaseline, Karat? Pour un ami. Hein. Bah, la première phase, fonce dessus et puis après. Radan, c'est très simple. Tu joues pas. Tu joues pas un Souls-like, tu joues un RTS. Ça marche aussi. Tu spams ta production d'unité et ça se passe. Ah oui, c'est vrai qu'on a toutes les invoques contre Adam. Hein. J'avais oublié ce petit cimetière. Eh ben, il était bien à chier. Bon, ben, je crois que malheureusement, on va devoir aller affronter des boss. Hein, et risquer notre vie. Ah zut, du gameplay. Oh non, merde, je vais devoir jouer. Allez, je voudrais quitter. Radan, tu peux te contenter de laisser les invoques le battre. Oh putain, l'idée de merde. Je viens de sauver Bok, waouh. Comment ça? Bah je viens d'aller voir Bok, ce qu'il m'a donné, c'était dingue. Hein. Ah oui, oh oui, t'as vu, franchement, je t'ai pas menti. T'as raison, hein. Ah bah non, menti, là. Hein. Un truc de fou, Bok.
Je suis sans évoque depuis le début. Bah bravo. C'est bien. Bah moi, tu vois, Karat, vu qu'on est un randomizer d'Odess, je n'ai aucun scrupule à faire les... Non, je rigolais, monsieur. J'ai fait 3 runs, j'ai jamais battu Radan Legit 1v1. Alors moi aussi, plein de fois. Après, vous n'avez pas mon skill, mais ça, c'est... Moi, je l'ai fait une fois, Legit, et puis j'étais pour mode bon, bah voilà, quoi. Voilà, c'est fait, hein. Je comprends le côté faut tout faire les boss solo sans invoque parce que c'est y a plus de défis quoi. Radan, je dirais que c'est quand même une exception. Je trouve que c'est le fight est fait pour avoir les invocations avec soi. C'est dommage de pas avoir cette expérience au moins une fois. J'ai trouvé une baliste un Khalid qui était pointé vers un objet qu'on peut récupérer. Dans une grange, elle visait l'objet, quoi. Vraiment droit devant. Petite pensée à notre... Je commence un peu à sécher au niveau de ce que je peux faire, là. Il faudrait que j'aille en Lurnia aussi, mais j'ai un peu la flemme. Bah moi, j'ai tout fait, je pense. Mais... Enfin, j'ai tout fait. Ah non, il y a juste un vendeur que je suis pas allé voir. Hein. Le vendeur dans les terres draconiques. Je commence le jeu, j'ai fait 3 comptes avant pour comprendre le jeu. Les stats et les points de compétences, level 52 avec bâton des Glorusades et bâton des Clacas. J'ai 52, c'est très léger pour Adan. Level 52 pour Adan. Level 52 pour Adan, non ça va. Je sais pas, bon. Peut-être un peu léger quand même, non? Non, ça va. C'est assez dans les tons, hein, en vrai. Non mais, ouais, je suis pas convaincu, moi, je t'avoue. Bah, tu peux le tenter de toute façon. Oh, vas-y, et l'avantage c'est que toi t'es pas en Odess. Donc du coup, tu peux tester et voir et goûter si c'est faisable ou pas. Hein. Moi, le V52, je trouve ça un peu juste, mais après c'est. J'ai de la valise donc au pire. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il vend l'autre bureau là? Toujours pas de pierre de forge? Mais non, 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 non. Bienvenue dans mon auberge. Merci beaucoup pour ton follow, Karl. Sceau de l'Ordre d'Or, l'âme d'écaille du dragon de magma. Oh, il les vend la larme secrète cérulène, le connard. Et les pierres de forge. C'est bien, il y a toutes les pierres de forge, sauf la sombre une. Eh ben, super. Oh, c'est quoi le boss du lac? Oh, c'est de nouveau pas clair quoi sur ce que c'est. Oh, si, j'ai envie de je sais plus où il y a des cimetières là. Ah, je sais où il faut. Alors, non, je vais pas faire ça. Si je vais le faire, bah si je vais. Bah si. Et disons que je vois ce que c'est maintenant parce qu'il m'approche et puis que son nom s'est affiché avec une barre de vie, donc oui. Mais sinon, avant, c'était pas très clair, non? Moi, je vais aller au village des pots. J'ai envie d'aller les voir. Je sens qu'il y a des trucs de ouf au village des pots. Imaginez que je glisse comme une merde et que je tombe. Ce serait vraiment drôle quand même. Hein. Les deux qui sont. Et l'Ophiro qui sont prêts à se chier dessus. Ah non! Ah non! Pas encore! Ne vous inquiétez pas, hein, ça. En train de faire mon premier boss, moi perso. Hein. Centre de guerre, grandeur de carrière, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que j'ai ça aussi. Vaincu mon premier boss. Si tu fais l'intégralité de l'Orion en comptant l'Académie, le manoir de Carré, tu auras normalement les ressources suffisantes pour le faire. Qu'est-ce que j'ai failli comme j'ai bille?
C'est Bibi. Oh, j'ai fait le boss du lac en premier. Il est où le village des pourris, là ? On m'appelle Monsieur Pau. Et je me balade et je me balance. 4h30 et toujours pas un seul boss de tenter. C'est vraiment honteux. Hein. Pire stream. Pourvu qu'il y ait des boucs, qu'il y ait des libellules. Mais foutez, putain, mais... Oh, le dragon! Ouais, il va pas magro, là. Non, mais c'est vraiment déjà 4h30. Putain, mais ça passe trop vite. 4h30 pour mourir maintenant, hein, en plus. Hein. Ça y est, j'y suis. Hein. Bon. Le chat qui est en train de serrer les fesses, je les connais. Meurs, meurs, meurs. Ah si, j'ai trouvé. Ça va, tout va bien, tout va bien. Tu es un professionnel, tavernier, tu es un professionnel. Allez, allez, tout va bien maintenant. La maison, voilà. Ah, tout va bien. Ça a l'air de très bien se passer pour toi. Ouf, non mais, parce que les pierres tombales que tu... Mais vu qu'on est en Odesse, en fait, normalement, j'ai pas le stress. Mais vu qu'on est en Odesse, dès que je vois une falaise, maintenant, ben je serre un peu des fesses, pour être tout à fait honnête. Mais le village des jars, y a plein de loot dedans, donc... Le chat U, le streamer... Il y a beaucoup de plantes, de là à dire qu'il y a plein de loot. Si, il y en a plein. Si, il y en a plein. Il y a un cimetière en plus, je crois aussi. Hein. Ben, j'ai trouvé l'épée de Milos, ah, voilà. Il y a peut-être un, il y a peut-être un cimetière à côté, c'est vrai. Épée de Milos. C'est bon. Quoi l'épée de Milos ? C'est l'épée en dents. Épée de l'espadon en dents. Ça restaure des PC à chaque fois qu'on tue un ennemi. C'est dé en force et dé en dex et ça fait du saignement. Ah. C'est plutôt une bonne arme en vrai. Et c'est 15 de force et 19 de dex. C'est plutôt une bonne arme en vrai, mais bon. Croix du limier quoi, mais. Croix du limier quand tu nous tiens. Je pensais exactement ça. C'est la secondaire de certains bulles de foie. Ah bon? Il y a quand même un grand gourdin aussi. Hein. Et des petites boulettes. Tu la couples avec l'épée du blasphème. Ah ouais. Et ouais, comme ça tu récupères plein de points de vie. Tu régènes HP et MP. Ah ouais. Avec les deux. C'est pas déconnant. J'ai un peu serré les fesses quand même dans ce village de ces morts. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière ? Une rune dorée, l'armure de Blade. La graisse. Une rune dorée 8. Une tête de libellule géante. Ah. Pierre de forge sombre 5. Peau fissurée. Et épée droite ornementale. Bon. Bang. Banger. Ah putain, j'ai compris ce que c'est le boss, enfin. Bon, les gars, il est temps. Il est temps d'aller affronter des boss. J'ai assez pour prendre un niveau là. Kino. Petite rune, on n'en parle plus.
Deuxième boss. Moi, je vais aller voir Godric. Carrément. Je suis comme ça, moi. Bon, après, ça, il se balade là, tranquille, à la pampa. J'avoue que moi, j'ai que 4 fils de soins, Godric, qui me botte pas trop, quoi. Oh là, ouais. Ah, c'est pas Godric, en plus. Ah non. Ah, c'est sa version dans la prison. Ah oui, non, mais je me casse. Ah oui, en plus. Non, alors ça, hors de question. Ça, je ne signe pas pour ça. Ben, je vais aller au lac. Voilà. Allez, on est bien. On va aller au lac. C'est plutôt pas mal. Il paraît qu'il y a une belle vue. Après aussi, il faut que je me dise que mon épée ne fait pas tellement de dégâts. Donc, aussi que je me rende ça dans le crâne. Hein. Pour du limier, il fait pas tant de dégâts. Bah, elle n'est pas améliorée. Ah! Par rapport à ce qu'on a connu. Vois-tu? Hein. Ah, mais c'est le thème du manoir que j'entends depuis tout à l'heure dans la. Tu sais quoi? J'étais en train de me poser la même question. J'étais en mode je sais, je l'ai déjà entendu quelque part. Ah, ça, c'est des couteaux noirs. Ah non, c'est l'invisible. Ah non, c'est pas l'invisible. Bon, j'ai aucune honte à invoquer, sachez-le, le sniper. Sachant qu'il y a un chevalier du creuset dans le tas, je n'ai aucune honte. Non, mais non. Ouais, t'inquiète pas, ça va se passer. Il va pas pull les snipers, le reste du tas. Non mais ah mais il est mort. Non mais je suis pas sûr que ce soit réellement une bonne idée d'aller affronter quoique à coup de cheval ça se fait bien. Juste pas être greedy, on est tranquille, on est cool, on est calme, on est zen. Voilà. Prenons notre temps, il n'y a pas le feu. Connard, il n'y a pas le feu. Surtout la grosse difficulté, c'est le chevalier du creuset. Ce n'est qu'un coffre après tout. Qu'est-ce que c'est un coffre dans une vie? Après c'est peut-être le coffre où il y a... Ouais mais non. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oh, peut-être jouer cette arme. Non, pas envie. Y a pas le feu le chat. Bon vas-y, descends la patte. Comment vous dire, Radan? Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est mal passé avec Radan. Hein. Il est pas gentil, Radan. Putain. Oh putain, ça va se mal se passer là. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat? C'est un bout de vaseline, pas un tube. Il te faut. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal.
feu. Voilà, un de moins. On déglingue tous les petits. Voilà. Voilà, comme ça. Reste plus que toi, ma grande. Voilà. Tranquillement, tranquillement, on n'a pas le feu. On surveille toujours aux alentours avec le chevalier du creuset. Et c'est un premier boss honteusement tué. Bravo. On n'est pas fanny. Et qu'est-ce qu'il donne? Oh, le pantalon d'Albéric. Génial. T'es refait, hein. Ah, trop, trop bien. Franchement, je me demandais quand est-ce que je l'allais avoir. Et c'est maintenant, je suis vraiment... Plus que 164. Le problème qu'on a avec cette run, mes chers amis, c'est que... On peut pas mais où est les pierres? Mais où sont donc les pierres de forge 1? Moi je suis à deux doigts de payer 10 000 runes à machin pour qu'ils nous disent où elles sont. En soi je sais pas si on a le droit de faire ça. Est-ce qu'on se l'autorise? Bah si t'es dans les... Tu sais, si t'es dans les paramètres par défaut justement qui sont utilisés par la communauté qui font ce challenge, j'imagine que oui. Hein. Et là, imagine que ça nous indique Farou Mazula. Bon, ben on change d'arme. Hein. Bah, si ça indique Farou Mazula, bonne nuit, bon petit. Hein. Bah, change de plan, quoi. Change tout. Ah oui, c'est des sacrés casse-couilles par contre. Je vais aller me faire les premières grottes catacombes là. Ah ben je suis sur la grotte au-dessus du lac là, moi, actuellement. Ah ben je crois que quand il fait froid, c'est plus important un pantalon qu'un anneau d'Elden. Je confirme, oui. T'as des runes, on en a par contre. Hein. Tcha, 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 tcha. Bonne nuit, cartel. Hein. À demain. C'est quelle heure d'ailleurs? 4h40. Oh là. Non mais putain, ça passe trop vite quoi. Ah oui, quand tu vois dans quel état est Radagon à cause de l'anneau, tu le veux vraiment? Non, 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 non. Très peu pour moi, ces conneries. Ah, Radagon, hein, qui l'a mis dans cet état, hein, cet anneau. Hein. Qu'est-ce que ce bruit-là que je viens d'entendre? On ira pas récupérer l'objet, hein. Ce n'est qu'un coffre, après tout, comme le disait un certain Hello Kitty. Je crois qu'on a vu le même coffre, hein. celui de la grotte, on est d'accord, hein. Ouais, ouais, celui de chez Pat, effectivement. Chez Pat? Ah non, moi, c'est pas chez Pat. Ah, c'est pas chez Pat? Ah non, non, non. Tu verras, du coup. D'accord, d'accord. Bah toi aussi, du coup, hein, j'imagine. Mais je pense qu'on est, on est peut-être tombé sur le même mob. Est-ce qu'il est transparent? Non. Ah. Bah, tu verras. Le mien, il était pas transparent, mais il avait plein de bras. D'accord, je vois tout à fait. Ah,
Alors, qui se cache dans cette petite grotte ? Oh, on est nombre funeste, là. Il y a toujours de la place. Bonsoir. Merci beaucoup, Porticus, pour ton raid. Et bienvenue à vous tous au sein de ma taverne. Merci infiniment pour ta confiance. Tu étais sur quoi, très cher Porticus ? Bonsoir, hein. Bienvenue à toi. Salut les Avena, comment ça va? Mal. Ah mais tiens, Ranor, coucou Ranor, comment tu vas? Dark Souls 3, ah, DS3, très bon jeu DS3. Peut-être un de mes préférés, moi, les Souls. Évidemment, les Souls qui ne veulent pas fonctionner, on est obligé de faire ça à la main. Ça ne veut fonctionner que quand ça veut, du coup... En profiter juste avant de rentrer dans la tanière de ce boss. Faire un petit saut pour que vous alliez voir chez Morticus. Attends, M-O-R, il est tard, j'ai du mal à voir. T-I-K-U-S, bienvenue sur un stream de vieux. C'est bon, je l'ai bien écrit. C'est ma première fois sur Destro et j'adore trop fort. Ah, il est chouette. Hein. Celui-là est vraiment très chouette. Hein. Yeah. Bonsoir à toi, Kenjeta. Bloubou. Bienvenue dans mon auberge. Merci pour ton follow. Merci infiniment. N'hésitez pas à aller le voir. Regardez un petit follow. Ça suffit. C'est amplement suffisant pour retrouver un nouveau streamer avec lequel passer des bonnes soirées. En plus, je vois que le monde est petit puisque Oranor était avec toi. Comment tu vas, Oranor? T'as pas streamé ce soir, toi? Dark Souls 3, Elden Ring, Apex, Call of Duty, Warzone, Wakfu et du Just Santig. C'était une super soirée. Mais tant mieux. C'était ta toute première soirée sur DS3 ou tu as déjà un petit peu joué putain, le jeu qui a bugué. J'en ai gagné. Je viens de perdre 4800 âmes. Qui, toi? Ouais. Putain. Allô le jeu. Bravo. Et il a répondu avant moi. Ah tiens. Et tu faisais quoi, Aura, ce soir hein? La dernière fois qu'on s'est vu, Aura, je crois que c'était sur Lord of the Fallen, hein, je crois. Ou alors non, on s'était vu entre temps. Je suis venu car j'adore ton pseudo. Merci beaucoup. J'ai fait 20 heures du jeu en tout environ. C'est déjà bien. T'en es où? Strike Sector, un jeu indépendant à montée de bête dans l'espace. Ah ouais? Star Sector? Attends, je vais me le noter sur Steam. Non, parce que tu sais que quand tu me parles de montée de Blade, moi, tu m'intéresses, là, tout de suite. Hein. Il est pas sur Steam. Ah! Il est sur quoi? Sur Epic, du coup? Uniquement trouvable sur le site du développeur. Hop. Je me le suis noté sur mon téléphone. Sur Google. Google, c'est quoi? Ah bah tiens, Eternel. Je suis où, moi? Tu connais Eternel? Putain, vraiment, le monde est petit. Hein. Oh, un gros nounours. En tout cas, bienvenue à vous tous au sein de la taverne. Nous, on est en train de faire du Elden Ring en Randomizer d'Odess. J'ai essayé de me lancer ce défi parce qu'on avait terminé tous les Souls. Dernièrement, on a fait des S1 Remaster. Et pour continuer l'aventure, on s'est dit pourquoi pas retourner sur Elden Ring, surtout qu'il y avait l'annonce du DLC il y a peu. Pour continuer, toujours plus de plaisir. Et là, c'est très simple. Le mode Randomizer, ça veut dire bonsoir Freebird. Merci beaucoup d'avoir suivi le raid. Et du coup, disais-je qu'on est en train de faire du randomizer, c'est-à-dire que tous les boss et les ennemis sont mélangés entre eux, ainsi que tous les objets du jeu. Et si on meurt, on est obligé de tout recommencer, et le but, c'est qu'on fasse tous les boss du jeu.
Le mandarin de Brésor doit être rigolo, mais pas facile. Bah, surtout, surtout en Odesse. Hein. C'est surtout ça la difficulté. Parce qu'encore, quand on n'est pas en Odesse, ça va. Hein. Mais là, par exemple, vous voyez ce petit mec là qui est derrière. C'est une ombre funeste. Hein. Et ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. La réponse tout de suite. Hein. Je vous aussi ce challenge de connard. Ouais, c'est. C'est un peu dangereux. Juste avant la fin, on va lui faire le boss du tuto. Je vais aller regarder. Alors, lui, il a pas beaucoup de points de vie, mais par contre, quand il tape très fort. Non, mange mon épée! Ça va, il est pour l'instant, il est plutôt coopératif. Et c'est en général quand je dis ça que. Les embrouilles commencent. Voilà. Et c'est fini. Bon, ça va, tranquille. Et de deux, on n'est pas Fanny. Petit mémolite, c'est dommage, on ne joue pas magie sur cette run. Il meurt des trous, donc finalement, c'est pas le problème du randomizer. C'est vrai que, pour l'instant, je suis mort surtout sur la gravité. Et on note qu'on a fait ce boss, et on a fait celui qui se trouvait là. Merde. Merci. Bon, ça va, il était simple celui-là. Sa version plus compliquée, c'est quand il est avec ses petits fantômes. Là, il est un peu casse-couille. Pour l'instant, tout va bien. Tu connais très bien Elden Ring ou tu fais le jeu un peu à la YOLO ? Oh, je le connais assez bien maintenant, je pense. Je pense qu'on peut dire que le jeu, je le maîtrise. Hein. Mais pour l'instant, dites-vous que sur les 165 boss du jeu qui sont disponibles, mon PB. Il est à combien? Je crois que c'est 17. Ah ouais, c'est 17. Il est monté depuis la dernière fois, il me semble. C'était 17. Et là, en vocal avec moi, il y a Hello Kitty et Pierrot Desensu qui font les mêmes runs que moi. On n'est pas sur la même partie, mais ils font les mêmes runs. Et aussi, ils essayent de faire le mode Odess. Non, mais si on regarde, il y a plus de morts de chute que de vrais combats de boss. C'est vrai. Retenez que Tav, s'il voit un aigle, un drame se prépare. C'est entièrement faux. Je ne vois pas de quoi vous parler. Putain, mais il n'y en a aucune qui vend des pierres. Je suis à deux doigts d'air. Perle de mine ou perle de forge. 25 000 runes pour savoir où c'est. Oh là là, l'enfer. C'est clair, putain. Salut voyageur, juste un coucou avant boulot. Bonne soirée à toi et bon courage pour le boulot voyageur. S'il voit une falaise, la run est déjà finie, il a déjà sauté. Bah, arrêtez, c'est entièrement faux. C'est faux, vous le savez. En plus, on a que 4 fioles là, c'est quand même pas dingue. Hein. C'est pas dingue du tout. Et si vous souhaitez me retrouver, je suis disponible donc de aujourd'hui jusqu'à vendredi. De 2h30 à 5h du matin, et samedi, dimanche, lundi, mardi qui arrive, de 23h30 à 5h du matin aussi. Et en ce moment, les jeux du moment sont donc Elden Ring Randomizer et Helldivers. Je vais mettre une petite lanterne. En ce moment, c'est surtout Elden Ring. Hein. C'est surtout Elden Ring, hein, on va pas se le cacher, mais bon. Avec un peu de chance, les boss te donneront des graines, oui. J'ai envie d'y croire. Coucou! Oh le gangbang! Non! Non! Comme vous pouvez le remarquer, je suis un professionnel. Les larmes de vie et de graines sont aussi randomisées. Tout est randomisé sur le jeu. Que ça soit les ennemis, les boss ou les objets. Après, il y a des emplacements clés dans le jeu. Et là, les emplacements clés, ce sont les emplacements clés vanilla plus tous les boss du jeu. Et les graines peuvent se trouver dans ces emplacements-là. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. Après, ce qui est rigolo au Freebird, c'est qu'à chaque fois qu'on meurt, mais du coup, on démarre une nouvelle run, et du coup, on redécouvre... Mais putain, on peut même plus parler, c'est honteux.
Et on redécouvre une nouvelle run et on espère tomber sur des objets convenables. Donc à chaque run, on change de build pour un build satisfaisant. Là, on a eu de la chance. Première arme du jeu qu'on a chopée, c'est le Croc du Limier. Une arme très 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 forte. C'est la première fois qu'on l'a randomizer. Mais si j'avais pas eu ça, très certainement qu'on aurait joué l'espadon de la lune obscure. La Moonblade, bien connue des joueurs des Souls. Tu vas manger ? Attends, meurs ! Voilà. On avait dit pas les mamans. Hein. Tout sauf les mamans. Et là, est-ce que dites-vous que ce que je cherche désespérément, c'est avoir une pierre de forge sombre 1 pour pouvoir améliorer l'arme. On a une niveau 2, une niveau 4, 5, 7 et 9. Donc il nous manque pas grand chose pour pouvoir mettre l'arme au level max. Mais déjà essayer de la monter un petit peu, ça serait bien. Après ils ont changé son nom dans Elden Ring. Ils ont appelé Espadon la lune obscure. Il y a toujours une petite variante dans le nom hein, d'un Souls à l'autre. Alors qui se cache ici? D'accord, c'est la version 2. On va se concentrer 2 minutes là. Salopard là. J'aurais pas mieux dit. Doucement, lentement, mais sûrement. Allez, toi tu vas ramasser. Et voilà. Et un de plus. Tu fais le tour des cimetières et tout, oui. C'est en général quand on commence une nouvelle run, c'est ce qu'on fait justement Morticus. Enfin, toi tu dois le savoir vu que tu fais du randomizer aussi. En général, quand vous commencez une run de randomizer en Odessa, vous faites le tour de tous les cimetières qui sont disponibles, puisque vous pouvez avoir tout et n'importe quoi. Et une fois que moi j'ai fait le tour des cimetières de l'Ecrolem, de la Kaelid et des fois un peu de l'Académie du Hornia, je vais voir, j'espère avoir une arme de saignement. Je vais voir le dragon qui se trouve ici. Je lui pète la gueule et comme ça, ça fait max d'XP. En fait, de base, surtout le build sur l'arme ou les armes que tu trouves au début. Faut trouver des armes qui correspondent à ton build aussi pour chaque run. Ouais, bah en fait, je m'adapte surtout à l'arme. Dès que j'ai trouvé une arme qui me convient, voilà, on avait la chance qu'on a trouvé directement le produit limier, bah je construis un build autour de cette arme. Allez, allons voir. Les catacombes. Taf, tu veux pas aller au tertre? J'ai des bons souvenirs de tes passages là-bas, surtout vers l'arbre. Non. Il dit ça, Wolf, parce que du coup, hier, on était sur une run assez compliquée, où j'avais du mal à démarrer. Et quand, enfin, la run était en train de démarrer, je me suis dit, oh, on va aller dans une zone HL pour voir s'il n'y a pas un boss gratos pour récupérer plein d'âmes. J'y suis allé. J'ai chu. Et une grosse tête de citrouille qui m'a mis une espèce de gros coup de boule et j'ai décédé. Fin de run, bravo. C'était superbe le diabloté. Quel enfer. Le call de Wolf. Mais oui, mais en plus Wolf juste avant il l'annonce quoi. C'est ça le pire. Hein. C'est que l'autre fou, Wolf, à chaque fois qu'il call une mort. Oh putain. Chaque fois qu'il colle une mort, c'est exactement celle qui arrive. D'ailleurs, on arrive à la fin du stream, il faudrait coller une mort là. Ouais, c'est le moment, Wolf. Ah ouais, mais il l'a déjà dit tout à l'heure. Non, mais maintenant il a plus d'informations, il va pouvoir faire une. Il va pouvoir prendre une décision un peu plus informée. J'attends que tu aies un Siofra. Non, il est convaincu que je vais pas mourir. Hein. Alors, d'un côté, si on va à la Siofra, ça veut dire que.
Ça voudra dire qu'on sera allé bien loin dans la run. Hein. Oui, j'avoue que je vais pas y aller tout de suite, personnellement. Ouais. Moi, je pense que du coup, vu qu'il a dit ça, je vais y aller en tout dernier, et puis voilà. Bah voilà. Dernier boss, et puis voilà. C'est réglé. Ouais, chais, voilà. Au pire, PB 135. Hein. Voilà. Au pire. Hein. Les premiers donjons, on les connaît par cœur à force. J'avoue que ceux-là, on commence un peu à les à connaître le chemin. Oh, du coton, génial. Et c'est quoi du coup ton PP pour l'instant? Alors on a commencé, ça fait depuis combien d'années qu'on a commencé? Une semaine hein. Une grosse semaine. Mon PB c'est 17. Mais franchement, des morts vraiment à la con. Hein. Voyez comme celle-là. Vite courez. C'est bon. Hein. Mon rêve, les gargouilles sont remplacées par Malinia, même si le mieux serait une Malinia PM puis une Malinia P2 qui arrive après comme la seconde gargouille. Oh non, oh putain. Les gargouilles sont remplacés par Malenia. Non mais tu sais les gargouilles d'ébène. Hein. L'inverse non. Oh, j'y vais pas. Non mais les catacombes aussi, ce n'est qu'un gaufre. Hein. Est-ce que c'est un truc de fou là. Le squelette géant. Ouais. Moi je suis allé prendre le loot, hein. Ça ne valait pas la peine. Oh, c'est qui derrière? Vite, 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 courage, fuyons. Oh non, c'est embussé. Tu l'as tenté le Mog ou pas? Ah, je l'ai tenté pour voir si c'était la V1 ou enfin sa version 1 ou 2. Spoiler, c'est la 2. Donc quand j'ai vu un anneau rouge, j'ai fait je sors. Bisous, je m'envole. Alors Mog, c'est pas la peine. Il attendra. En fait, j'ai commencé à lui taper dessus. C'est ça, Freebird. Je le tabassais très très bien. Mais les anneaux rouges, vu que je sais plus si c'était des pourcentages de vie hein, ou des dégâts bruts qui pop, dans le doute, j'ai dit au revoir. Ouais. Oh mais Mog, deux Malenia pour plus de fun, non mais ça suffit. Alors, deux Malenia. Non mais parce que Wolf, il en faut toujours plus, tu vois. Il faut toujours plus de mort et de souffrance. Bon, on regarde le chat, on regarde le boss qu'il y a dans la geôle et après on s'arrête pour ce soir. Parce qu'il est 5h, et si vous me voulez en forme pour demain. D'ailleurs je suis content d'avoir retrouvé internet, il a failli pas avoir de stream ce soir. Alors c'est qui? Attention, j'ai le doigt prêt à cliquer sur la fuite. Ça se fait. Et sur laquelle de Joule? Attends. Celle en haut. Oh, il fait quand même mal ce connard. Ouais. Ouais, bah, non. On reviendra. Petit first try en randonnée, cela dit. Petite fierté. Ah putain, bravo. Bon, attention, en rando, t'es obligé de first try. Enfin, sauf si tu reviens derrière. Mais... C'est le dragon. Le dragon d'Adula qui se trouve dans la geôle éternelle de Valorage. Oh, oula. Oui, non. Ah. Ah, l'enfant. J'entends la fin du stream. Ouais. Attendez, je reviens. Bon, j'ai bien arrêté de faire de la recherche. Je peux trouver de pâte dorée. Non, c'est bon, c'est couché. De toute façon, je vais m'arrêter sur ça pour ce soir. Bon, ça va, c'est un bon début de run en vrai. Mais à part les pierres de forge sombres qui manquent, on est quand même pâtiqueux.
Bienvenue dans mon auberge. Je vais vite me faire la joule. Merci beaucoup pour ton follow Freebird. Avec Blyde. Et je m'arrête là aussi. Je finis de tuer le dragon et je m'arrête aussi. Un sou suffira. Mais putain, mais arrête. Et pitié quand même, vous voyez pas que c'est déjà suffisamment dur? Vous êtes horrible. Alors chez qui je vous envoie? Est-ce que j'ai un copain double? On l'arrête d'hier. Ah bah tiens. Vous voulez plus de randomizer sur Elden Ring? J'ai la personne qu'il vous faut. Ça s'appelle SDG qui nous arrête très récemment. Donc l'occasion pour moi de lui rendre l'appareil. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas, d'avoir été présents. Bonne nuit à vous tous. Merci beaucoup Freebird, Morticus et Karat et Heimkarl pour vos follows. Merci beaucoup du raid, une nouvelle fois Morticus. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents et m'avoir apporté joie et bonne humeur une nouvelle fois sur ce stream. On se retrouve demain, 2h30-5h, pour la suite de la Nodes sur Elden Ring. Passez tous une très bonne soirée et à très vite. C'est bon, j'en voyais. Et merci beaucoup à tous les deux.